à l'amour, c'est tutoyer de nos problèmes. Mais je vais aller droit au but. Peu importe les problèmes, nous devons savoir plutôt comment traiter avec nous. Amen. Prenons nos Bibles dans Marc au chapitre 11. Et nous lirons à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers chassés jusqu'aux racines. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à chasser. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne dit point en son cœur, ce qui n'a pas été témoin à mon témoignage, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu, vous le verrez s'accomplir. Accorde la bénédiction à la lecture de ta parole, Père. Nous avons besoin de toi ce matin. Tes enfants se sont rassemblés. C'est pour t'écouter, Seigneur. Parce que tu es la solution à nos problèmes. C'est toi qui nous connais mieux que nous. C'est pour cela, Père. Nous voulons que tu rentres en scène. S'il y a quelque chose en nous qui t'attend, nous et nous nettoyer par le sang expiatoire. Soit le commencement et la fin. Seigneur, ne laisse personne sortir de cet endroit. Sans qu'il soit béni. Soit qu'il soit comblé. Sans que la parole, la semence du royaume, et soit activé dans son cœur. Nous sommes à toi, Père. Dans le parfait nom de Jésus-Christ. Nous croyons que chaque requête a été déjà exaucée. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Je ne sais pas, vous êtes déjà fatigué? Non. Peut-être que, comme si on retard et que vous avez chanté, vous êtes fâché. Non, mais pas. On peut aller, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on ne doit pas reculer aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le but. Mais j'aime lorsque l'Église réagit. Amen. 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 C'est bon. C'est très important. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu,
de forcer de clôturer pour notre sujet. Et nous avons vu qu'est-ce qu'il faut faire pour que les prières, nos prières soient exaucées. Et j'aimerais que vous l'écoutez et réécoutez. Afin qu'il n'y ait plus de plaintes. Parce que nous avons vu que tout le temps, nous vous disons ce que vous ne deviez pas faire pour être agréable à Dieu. La Bible dit pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi. Cela est dit dans Hébreux au chapitre 11. Si vous lisez, il est dit, sans la foi, vous ne pouvez pas lui plaire. Rien qui est fait sans la foi ne peut plaire à Dieu. Tout le temps, nous vous disons ce que vous ne deviez pas faire. Mais cette fois-ci, nous voulons vous dire ce que vous devez faire. Amen. Amen. Ce que nous devons faire. Parce que l'Église est ecclesia est habituée et c'est d'écouter les sermons sur le diable et les démons. Sur le péché et la maladie. Et sur l'enfer. Donc même sur le salut, nombreux ne connaissent pas ce que signifie être sauvé. Surtout sur le ciel, la Jérusalem d'en haut, ils n'en connaissent pas. Tous, nous voulons aller au ciel, mais nous ne connaissons pas à quoi ça ressemble. Bon, comment ça se passe là-bas. Et nous avons vu que c'est un piège de l'ennemi. Il y a beaucoup de prédicateurs qui peuvent vous prêcher sur l'enfer. Il peut vous prêcher contre le péché. Il peut prier pour les malades. Il peut prêcher contre les démons. Et contre Satan. Et c'est bien. Je répète, c'est bien. Mais si tu ne lui dis pas les noms du ciel, il ne saura rien comme un entento ne connaît rien de Noël. Amen. Amen. Parce qu'il ne connaît pas ce, où nous allons. Et pourquoi nous allons là-bas? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'Église a envie d'aller au ciel par défaut. Donc, c'est-à-dire, mieux vaut aller ailleurs qu'en enfer. Or, si nous voulons aller au ciel, parce que nous avons peur d'aller en enfer. Nous ne sommes pas en train de servir Christ. Parce que Christ n'est pas servi ou choisi par peur. Il dit pour montrer que c'est bon,
Il faut qu'il y ait les trois témoins sur une bonne adoption. Vous voyez? Et que nous servons Dieu par amour. Beaucoup de gens veulent aller dans un lieu plus beau. Parce qu'on leur a commenté ce lieu-là. Et on, si on vous a commenté les États-Unis d'Amérique, on vous a persuadé que c'est beau là-bas. C'est très bien. On t'a commenté l'Europe. Et dit, mais c'est plus mieux qu'ici en Afrique. C'est plus mieux, c'est plus beau. Vous verrez que tous les gens ici auront les désir d'aller voir ce qui est beau là. Il voudrait aller vivre là-bas. Et pourquoi ils veulent aller là-bas? Parce que ceux qui étaient là-bas nous ont persuadés que ici c'est pas ça. Tout ce qu'on manque là-bas, on en a. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que d'autres, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils sont dessus. On se dit, mais on nous avait dit qu'ici, c'est le paradis. Donc, ils sont partis dans ces pays par amour. On leur a commenté tellement, à tel point qu'ils ne supportaient plus être ici. Ils ont vendu tous leurs biens. Pour accéder à ces pays-là. Et pas simplement en insultant notre pays. Mais simplement en commentant ces pays-là. Amen. Amen. Ils n'avaient pas besoin d'insulter chez nous. Mais en disant que là-bas c'est bon. En insistant que c'est bon. Tout le monde veut aller là où c'est bon. Ça, c'est aussi un moyen de quitter chez soi ici pour immigrer ailleurs. Mais si on dit à quelqu'un, si vous persistez à rester ici, et il faut savoir qu'il y a un problème qui va venir. Hein. Et il y a une épidémie qui va venir tuer tout le monde ici. Et il faut faire très attention, il y aura des histoires. Des histoires et tout. Un type pour ne pas subir ça. Et il se dit, ah, il est mieux que... Ah, mais où est-ce qu'on peut aller? On dit, non, bon, tu peux aller à Kinshasa. Tu dirais, bon, mieux vaut aller à Kinshasa. Kinshasa, c'est comment? Non. Non, mais mieux vaut aller là-bas que de rester ici. Qui peut dire amen? Amen. Donc il part à Kinshasa par défaut. C'est pas parce qu'il a l'amour de Kinshasa. Et c'est ce qui est devenu l'église. C'est ce que les prédicateurs ont fait de l'église. Amen. Amen. Trop de négatifs, mon frère. Trop de négatifs. Nous avons oublié l'encouragement. Même si un frère fait quelque chose de bien, nous chercherons d'abord est-ce qu'il n'a pas de défauts. Mais si on ne trouve pas de défaut, on préfère ignorer. On est devenu les gens qui encouragent le mal sans le savoir. Alors que Dieu dit que dans la Genèse, la terre était dans le chaos. Mais Dieu a prononcé la parole plutôt sur ce qui manquait à la terre. Alors que c'était le chaos, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de ceci. Que la terre produise cela. Et Dieu lui-même dit, oh, Dieu vit que cela était bon. La terre n'avait pas encore produit parce que Genèse 2 dit que rien n'avait encore poussé.
Mais Dieu continuait à féliciter. Et il voyait que c'était bon, quelque chose qui n'était pas encore là. Il était en train de se féliciter sur quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais qui était déjà prononcé. Et Dieu, il dit que les arbres fuient. Mais il n'y avait pas encore d'arbres. Vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais vous lire ça. Amen. Nous allons prendre dans Genèse. Je sais que vous connaissez, mais je vais m'argumenter simplement. Amen. Amen. Dans Genèse au chapitre 1, au verset 2, écoutez ce que la Bible dit. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est celui qui rapporte, les scribes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est dit que c'est Moïse qui a écrit ce que nous lisons là. Amen. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemble en un seul lieu et que le sec apparaisse et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mères. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe et de la semence, et des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Voyez que Dieu continue à créer, à prononcer des choses dans lesquelles la terre n'en avait pas. Amen. Amen. Il a continué à insister. Et Dieu vit que cela était bon. 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 Il félicitait des paroles prononcées. Il savait que ce n'est qu'en cela que la terre produira ce qu'il a dit. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez dans Genèse au chapitre 2. Bokotanga bomona bugona ibandeli mokapami bali.
Au verset 4, il est dit, voici les origines des cieux et de la terre. Il recommence encore. Quand il fut créé, donc, et ils existaient. Et lorsque l'Éternel Dieu fit la terre, et les cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Si la Bible utilise le mot encore, faut que ce verset-là tient en compte Genèse 1. Et le mukapone kota la maima lomama kina mukapami bo yaliboso. Tu peux dire amen. Amen. Donc tout ce que nous voyons dans Genèse 1 est invisible, n'avait pas apparu. Et nous sortons au moment de Genèse et Bandeli et cela qui au moment en attendant les bimaki boité. Mais Dieu parlait comme si ça existait réellement. Et Ndabako le balokole te se salamaka mpenda solo. Et il félicitait ça. Bien qu'on commence à alors que cela n'était pas encore là. Je crois que cette église doit agir comme Dieu. Et que chaque croyant ici doit agir comme Dieu. Reconnaître Dieu. Reconnaître sa loi. Reconnaître sa parole. Avant que tu vois. Parce que ce qu'on voit n'est pas la foi. Amen. Ce qu'on voit n'est pas la foi. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai lu cela pour dire que d'un chaos, de l'informe et vide, Dieu a fait sortir un jardin d'Éden. En disant cela était bon. 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 Et le bon est sorti. Mais le jour où Dieu a changé de reflet, il a vu que ce n'était pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'il a dit pour la première fois le négatif, la première fois il n'avait pas apprécié la personne qui est sortie, la Dieu fit une femme. Et c'est la femme qui a détruit le jardin d'Eden. Si aujourd'hui il y a des malades, la femme, on a la cause. Qui peut dire amen? Amen. C'est à cause de cela la Bible dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Ni de prendre autorité. Amen. Amen. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Bon morning. Et nous avons vu la raison de cela, c'est que le diable. Et il a utilisé les panneaux publicitaires de Dieu qui sont l'église et les prédicateurs. Et il y a Saleli Penza. Pour essayer de faire sa propre publicité. Parce que la raison à cela, c'est que nous avons quelque chose dans notre tour de contrôle appelé l'attention. Alors, lorsque votre attention va vers quelque chose, et que votre cœur commence à visualiser la chose pour que votre âme puisse comprendre cela, vous devenez la chose. Amen. Amen.
C'est pour cela qu'il est écrit. Si les malheurs sont arrivés à Job. La Bible dit. Écoutez bien. Job servait l'Éternel. Et Job a salaki mosale li yankolo. Et il était si inquiet. Et akuma kiko banza banza. Que peut-être que ses enfants ont péché en secret. Et de peur que quelque chose de mal ne puisse leur arriver, il avait prouvé un sacrifice pour un péché inconnu. Et la Bible dit ça. Et que pendant ce temps, il brûlait le sacrifice pour la peur. Automatiquement dans son ciel. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On trouve que Dieu avait convoqué une conférence. Et la Bible ne nous dit pas exactement que c'était pour quelle cause. Rabbanam dit les conférences sont faites pour arranger les problèmes. Pour annoncer des lois. Pour donner les directives. Il dit même au ciel. C'est pour ces raisons-là que Dieu appelle les conférences. Il y avait une conférence dans les ciels. Au même moment ici, Job s'inquiétait. Et lorsque cette conférence a eu lieu, alors Job était en train de donner les sacrifices. Et la Bible nous dit, la scène qui est décrite dans le ciel, tel ciel, le ciel de Job. Parce que ce n'était pas dans Marc qu'on a décrit ça. Mais chez Job qu'on a décrit ça. Voilà que Dieu était là avec tout le monde. Et voici que le diable aussi est venu à la conférence. On ne sait pas s'il avait l'invitation ou il est venu faire un tour. Et il voulait se renseigner qu'est-ce qui se passe. Il y a trop de mouvements là-bas. Et saviez-vous que le diable peut venir à l'église pour savoir que les décisions qui seront votées ici, et lui aussi changera de stratégie. Parce qu'il sait. Le diable va à l'église. Les apôtres ont dit que le diable croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il connaît le nom de Jésus et il tremble. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lorsque le Seigneur l'a vu, il lui a salué. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, ah, Seigneur. Ah, Nkolo. Voyez-vous, il appelle Seigneur. Il dit, Seigneur. Nkolo. Moi, ton serviteur, je suis un an dans les lieux arides là-bas. Bon, moi, je suis dans un balado. J'ai baladé partout là-bas. Bon, dans les terres arides et tout. Il dit, tu étais partout. Et c'est ta vie, Job. Malgré que Dieu était en conférence, il était attentif au sacrifice de Job. Et c'est ce que tu as vu celui-ci. Il dit, ah, Seigneur, quand tu l'as comblé, quelqu'un donnera sa vie pour quelqu'un qui lui a fait du bien. Toi, tu as tellement comblé. Il a tout. Il est l'homme le plus riche de l'Orient. Job était le plus riche de la Chine, de tout ce que nous appelons ici de l'Asie, vous voyez, de Zimine, partout là-bas. Il est le plus riche. Et c'est toi qui l'a comblé. Ça, c'est le diable qui dit. Et nous disons, si quelqu'un est béni, oh non, le diable, oh Asimbi Biloko, oh il sort et tout. Mais le diable, lui, donne un autre témoignage. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas croire que Dieu peut combler. À tel point que même le diable au ciel, il reconnaît. Il dit, mais c'est un homme le plus juste. Il dit, ah, il est juste parce que tu lui as trop comblé. Il dit, tu dis vrai. Il dit, Seigneur, permets-moi. C'est parce que je n'ai pas la permission de le toucher. Permets-moi que j'essaie un peu. Tu verras, je te dis, il va t'insulter, te renier. Le diable sait que la souffrance, la pauvreté, le manque poussera quelqu'un à renier Dieu. Et le diable sait que quelqu'un, lorsqu'il est comblé, servira encore Dieu. Mais l'évangile qu'on écoute dans les églises ici est différent même de ce témoignage du diable. Amen. Les prédicateurs sont devenus plus intelligents que le diable lui-même. Je crois que c'est juste, non? Amen. Regardez le diable. J'aimerais insister là. A vu un homme béni. Et a dit à Dieu que si cet homme s'accroche à toi. Parce que tu l'as comblé. Et être comblé, selon l'évangile du diable, et ça amène quelqu'un à s'accrocher. Et il dit, Seigneur, laisse-moi lui ôter tout. Qu'il n'ait plus la bonne santé. Qu'il n'ait pas des enfants. Qu'il n'ait pas de richesses. Et que sa femme l'abandonne. Et qu'il soit maladif. Et qu'il soit pauvre. Tu verras, il va te renier. Le diable sait que la pauvreté est une arme très efficace. Amen. Amen. Le diable sait que c'est un outil très important. Et tu peux faire qu'un mariage se sépare. Vous voyez, peut faire que vous perdez vos enfants. Le Seigneur lui dit, tu es sûr. Et tu dit, laisse-moi pardon, papa, je le touche. Tout de suite. Tu vas voir comment il va te renier. Il ne savait pas que Job était insolide. Amen. Amen. Job ici était dans la peur. Là-bas, Dieu et son ennemi sont en train de discuter son sort. Il ne s'occupe même pas de son opinion. Hein? Ça arrive. Et comme est la cas. Bon, Dieu dit, bon, vas-y. Dame bon. C'est Dieu savait. Dame à il dit, vas-y. Mais, Kasi, tu toucheras son corps. Yo, au gobet en sotonaï. Peut-être son esprit. Et tant moi, sa pensée. Et ma canne qui devient même un yéza. Et à quoi comme même motonabolema. Ou même fou. Et à quoi comme même coutu motonabolema. Tu toucheras ses biens. Et tes bosuinaïe. Ses enfants. Et tes bananaïe. Et tout. Mais son cœur. Et tes motemanaïe. Son âme. Et tes limonaïe. Son subconscient. C'est à ma canisinaïe. Qui peut dire amen? Amen. Il dit là-bas, là, tout de contrôle. Et tes oh et tamu saganyon so katina motu. N'essaie pas d'entrer là-bas. Et tu comme mekate ou kota kuna. Qui peut dire amen? Amen. Parce que Dieu savait que c'est à partir de là. Daba eba kete de utawana. Le diable n'a même pas dit bye bye. Daba nkuta alebe au revoir te asaki. Dès qu'il est parti. Et mbala mova sa wela ki. Frère Branham dit qu'il a envoyé la foudre. Sa bousier. Il dit pendant ce temps, Job
Il faisait chaud, Job était là. Et moi qui m'a cassé, Job a terminé le colonne. Ses serviteurs viennent, oh non, tous les animaux sont morts. Et tu m'as dit, l'autre vient ici, non, tous les bœufs sont morts. L'autre vient ici, non, les champs a brûlé. L'autre dit, non, le verger là est ravagé. L'autre vient. Donc le même chou. Qui peut dire amen? Amen. Dieu était là en train de regarder. Moi, je connais là où il se cachait. Donc le diable ne savait pas que Dieu n'était pas au ciel. Dieu était sur la terre, caché dans le lieu interdit. Amen. Amen. Il y a eu l'ulcère, les plaies, les histoires, les tout. Et tout. Tout l'argent est parti. Et la maison détruite. Un type qui était riche, le plus riche, est devenu très pauvre. Il dormait sous la cendre dans le dépotoir. Les gens se moquaient. Dieu, voilà les malheurs lui arrivent. Donc vous voyez déjà. Biloko basimbaka. La Bible dit que ça a apporté de l'opprobre. Biblia le met et même les sonne à coléka. Ah, histoire. Et na job na libota. Amen. Amen. Même les prédicateurs ont dit qu'il a péché. Kutu bate balbete asumuki. Sauf Eliou. Et tes colons là, c'est moi qui lui ai amené. Les prédicateurs, mais pas tous. Et tes bâtis, car c'est bon, c'était. Les anciens sont pas tous. Et tes bâtis, car c'est mon côté. Mais il y avait un. Mon côté, car c'est à Zaki n'a pas voté. Lorsqu'il a parlé. Lorsque Dieu est venu, Dieu a parlé de la même manière que lui. Tant il y a le bâtis, nous avons tant à y qu'on ne va pas. Le bâtis, c'est le quoi là, il y a le bâtis. Amen. Bien. Pourquoi tout ça là était venu chez Job? Frère Branham dit parce que Job avait eu peur que les malheurs le frappent. Job voyait lorsqu'il servait Dieu là, il avait la peur. Il dit, c'est à cause de la peur de Job. C'est ainsi qu'il y a eu conférence. C'est ainsi que le diable est venu. C'est à cause de ça qu'on lui a donné la permission. Parce que Job, sans le connaître, la raison pour laquelle il donnait les sacrifices, parce que dans son imagination, il voyait déjà que ses enfants mal faits, ils sont morts. Bon, peut-être que il faut que je donne déjà un sacrifice ici. Et de peur qu'il ne meure pas. Il travaillait de peur que la mort, le mal n'arrive. Oh, qu'est-ce qui s'est accompli? C'est la chose qu'il avait eu peur. Frère Branham dit, s'il n'avait pas eu peur, toute cette scène de la vision où Dieu et le diable vont parler de lui ne devait pas arriver. Comme là qui était. Qui peut dire amen? Amen. Heureusement que chez Job, ce n'était pas un pasteur qui est allé lui prêcher. Et malheureusement, il n'y a pas un Job, c'est qui était pasteur, mon agoté. Le bonhomme, il dit, remarquez que ceux qui conduisent les gens hors de la vérité, ils prêchent toujours l'évangile de peur. Oh, si tu nous abandonnes, Dieu va te détruire. Oh, le diable va t'attraper. Il y a trop de peur. Les gens vont de dormir. Ils sont en train de prier. C'est un sacrifice que vous donnez. Oh Seigneur, gardez-moi contre Bandoki. Oh, ils sont ici. Oh Seigneur, pas peur. Lorsqu'ils ne te trouvent pas. Ah, Seigneur, peut-être vous êtes ici. Oh non, ah, peut-être il y a des voleurs. Seigneur, garde ma maison. Mais la peur là attirera les voleurs chez toi. Qui peut dire amen? Amen.
C'est pour ça que j'ai dit que les serviteurs de Dieu qui cessent avec cet évangile du négatif, ils croient qu'ils condamnent Satan. Et Job croyait qu'il est en train de fuir la mort. Et il va vers la vie. Mais Dieu voit les mobiles qui te pousse à faire ou faire ou faire tel acte. On déterminera la fin. Qu'est-ce qui te pousse de prier toute la nuit parce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui te pousse d'aller dans les veillées de prière parce que tu veux que Dieu t'utilise? Quel est le motif qui t'amène de venir tous les jours à l'église? Est-ce que par peur que les sorciers ne puissent pas te bouffer? Et ce que tu as peur, c'est ce qui arrive. C'est la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, petit troupeau, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes avec moi? Amen. Madame dit, il a peur. Est un grand fléau qui est dans l'église aujourd'hui. La peur est un grand fléau. Je répète, la peur est un fléau. C'est un coupe qui est versé à l'église aujourd'hui. La peur, c'est la maladie de l'église aujourd'hui. La peur est un mystère. On a fait les tests même dans les animaux. On a pris ici un primate. Un bébé. On a mis dans un endroit. Là où il y a la lumière. On l'a vu s'accrocher à un arbre. Et en train de se trembler. On a enlevé ça. On l'a fait les tests. On a vu que dans son sang, il y avait beaucoup de toxines. Et il était vulnérable à tous les microbes qui étaient là. Et son état immunitaire était très bas. Il était si stressé par la peur. Même ce primate-là ne mangeait pas bien. On l'a mis de là où il y a les ténèbres. Mais là encore, c'était pire. Et ensuite, on a pris un morceau de bois. Et on a fait le dessin de comme de sa maman. Et on a laissé là. On a vu le petit singe bondir et attraper ce et le tenir. Après quelques moments, lorsqu'on lui donne la nourriture, il commence à manger. Parce qu'il se sent comme la couverture. Et son système immunitaire était en train de s'élever. Mais comme ça ne bougeait pas, ça n'a pas marché. Et lorsqu'on a introduit sa mère, tu peux dire amen? Amen. Tout a été fait. On a compris que lorsque nous avons peur, et la peur est un état émotionnel qui dit à notre cellule que suicidons-nous. Et qui dit à nos cellules que tu es poids. Alors, le corps s'empoisonne. Et parce que lorsque vous avez peur là, ça se monte et le poison aussi est fait sortir. Alors à ce moment-là, le corps s'affaiblit, empoisonné par toi-même, n'importe quelle maladie on a. Celui qui est en mauvaise humeur, celui qui est peureux. Mon frère,
Même ce qu'il fait ne réussit pas. Parce que ce qu'il valide, il veut se marier. Il a peur que peut-être le monsieur là ou la dame là elle sera demain méchant. Mais c'est ça qui arrivera. Il y a beaucoup de sœurs qui ne se marient pas par peur du lendemain. Il y a beaucoup de frères qui ne se marient pas parce qu'ils s'imaginent que demain il va souffrir. Vous voyez, et cette peur les détruit. Les éloigne encore. Et tantôt lorsqu'il va se marier, il aura ce qu'il avait eu peur. Ce n'est pas parce que il a raison ou elle a raison, mais sa peur conditionne une loi dans son ciel que ce que lui voit, c'est cela qu'il va devenir. C'est pour ça que ne vous voyez jamais dans un cercueil. Ne vous voyez jamais qu'il y a un deuil là où on est en train de vous pleurer. Ne vous voyez jamais vos enfants orphelins. Vous verrez même dans son langage. Tu veux me tuer ou quoi? Histoire et tout. Et si je meurs ici, c'est comme cela que tu vas garder mes enfants. Avant que quelqu'un, quelque chose lui arrive, voyez son langage. C'est le diable qui est en train de lui suggérer. Il est en train de voir cela. Et en restant là, il se transforme. Parce que son attention prendra la chose et va l'amener. Et il est mieux de tourner vos regards et regarder vers le nord. Qui peut dire amen? Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je crois que vous comprenez. Amen. Je crois que vous êtes l'église la mieux enseignée au monde. Amen. Amen. C'est que tu as peur. Et le coup de banga, c'est pas arrivé. Et coco melayon. Tu as peur que l'enfant là comme il est sorti. Et te mona le col à bimbi boy. Il risquera de se blesser. Et te boy à cause. Il est où? À Zawap. Oh non, il est sorti. Abimi. Mais vous voulez laisser sortir? Botrier abima. Hein? Comment? Si quelque chose arrive à l'enfant, mais qu'est-ce qui t'a dit que tous les enfants qui sont quelque chose leur arrive? Sœurs, vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. La peur, c'est un mystère. Et tes bons amis, les bons amis. Et dans le temps, nous avons enseigné sur le mystère de la peur. Je ne sais pas si il y en a encore. Allez-y prendre dans le soleil couchant. Et vous verrez les séries de prédications qui est là-bas, ça vous aidera. Celui qui a peur que... Peur d'échouer à l'examen. Même s'il est intelligent, je vous garantis qu'il va échouer. Amen. Dites amen. Amen. La peur n'a pas de vertu. Et tes bons mains et Zalina Nguya et ma cassité, Zalina, ma coquille, ma lamouté. Pour cela, Dieu dit, n'ayez pas peur. De la bonne âme à lui, tu crois que ça l'a bon matin. Amen. Nous ne servons pas Dieu par peur. T'es tout ça là, ça me prend un bon matin. Nous avons vu dans le management. De tout, mon équipe, on a dit qu'on a eu un pendant à quoi. Nous avons vu qu'il y a deux catégories de gens. Les gens du côté gauche. Et il y a des gens du côté droit. Que ceux-ci sont gouvernés par la passion. Et te bangon penza ba memama ka libela sur alinga loka mi pesili mobimba. Par la passion. Et te pedo ba benga na poto passion bongo. Et ceux-ci sont dirigés par la peur. Pe bo kunande ya ngambo ya loboka mwasi ba tamusama na boma. On a étudié que tous deux font le business, tous deux travaillent. Et te bangon mi bale ba soko sala. Gagne les bons salaires. Et te ba soka li futa malama. Mais la tous les riches.
C'est ceux qui travaillent, qui font le business, qui font tout par passion. Même la maison qu'il construit, c'est par passion. Mais il y a une catégorie de gens, il fait sa maison de peur qu'il meurt et ses enfants resteront dehors. D'autres, il construit la maison en disant si je meurs ici, on va donc il construit la maison pour son deuil. Mon frère, c'est dangereux. Dites amen. Amen. D'autres construisent par peur et on se moque de lui. Donc leur énergie qui les pousse, Toto il s'habille de peur qu'on puisse dire que lui n'a pas des habits. Par peur. Et c'est là. Les statistiques disent que c'est 80% de la population de la terre. Et dépenda, calcul le monde s'est installé. Quand il n'a qu'à ma bateau tout comme moi, mais basalé na boama. Et ceux qui font des choses par passion. Ouais, basala capote balingi ango penda. Ils sont seulement 20%. Basalé quand il n'a qu'à ma sa bateau tout comme bali. Et de tout, vous savez qu'est-ce qui arrive? Ouais, ben il est là car. De 100% des milliards qui sont produits par jour, 3 milliards 800. Et ba milliards ba botse ka mokolo na mokolo na molongo dans les changes et na ko texte misolo pe na mimbongo nyo se sala maka ceci ne gagne que 5% bo ba joka se na kata ya kama ba joka se pata mitano ceci ont 95% de tout l'argent bo tout ko moli bo na mitano ya misolo nyo se sala qui peut dire amen. Amen. Dites amen. Pour qu'est-ce qu'il est fait ainsi? Mais ceux-ci ne connaissent pas ce que ceux-ci sont. La manière dont ceux-ci éduquent leurs enfants, ceux-ci ne connaissent pas. On dit que la catégorie de ceux-ci commence à partir des pauvres. Et jusqu'à aux grands professeurs des universités. Qui n'ont pas même les savants. On les appelle tous la classe moyenne. Parce que être de la classe moyenne, c'est que annuellement tu gagnes minimum au moins $35,000. Et t'as $30,000. Et tu fais partie de la classe moyenne. Et jusqu'à $150,000. Qui n'est comme dollars. Tu es toujours la classe moyenne. Tu peux dire amen. C'est bon. Est-ce que vous dites amen? Amen. Vous vous rendez compte ce que c'est? Tous ces gros intelligents. C'est ça le problème des nations. On a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a dans le gouvernement, dans les directions, partout, les gens très instruits. Mais qui n'ont pas de sagesse. Et vous écoutez ça? Amen. Donc même la pauvreté est drive, est conduite par une onction. Et ça ne me dit moins que pousser tes motards à la nalolenge wana. Que cette émotion. Et mais tout le monde sait que la passion, c'est l'émotion positive. Et c'est l'amour. Et la peur est l'émotion négative. Et les peurs n'arriveront nulle part. Et même dans la vie naturelle. Même sans religion. C'est toujours un fléau. Et ça, c'est tout.
Et il ne peut pas oser. Parce qu'il a peur. Il a peur d'échouer. Alors à l'école, tu as eu les zéros. Mais tu as continué. Si Thomas et Edison étaient conduits par la peur d'échouer. Et ils ne devaient pas accepter d'échouer 9999 fois. Et pourquoi il a persisté? Frère Nami dit, il était tellement passionné. Même lorsqu'il échoue, la passion l'amène à faire encore. La passion l'amène à... Alléluia! Alléluia! Je vous prêche ici par passion. J'aime ce travail. C'est pour cela que je creuse. Je lis. Je fais ça par passion. Qu'il y ait l'argent ou pas, que les gens acceptent ou pas, mais je fais ça avec passion. Et est-ce que vous ne chantez pas cela? Amen. Amen. C'est bon. C'est juste. Et je crois de tout mon cœur, la peur, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, n'a pas d'effet sur vous. Amen. Les gens travaillent. Oh frère David, fais vite, hein. Une histoire, hein. Pas peur. Et que si ceci arrive, qu'est-ce que tu deviendras? Lui aussi. Ah, il faut qu'on fasse ça. J'ai peur que. Quelle peur? Quelle peur? Fais ça par passion, mon frère. Ça la porte au lingui, amen. Par passion. Pas peur. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Tu n'as rien fait. Le même onction qui t'a mené jusqu'ici t'amènera là. Amen. Oh non, il est béni là. Ok. Parce que ils étaient les premiers à faire ça. Oh non, si c'est ceci, parce qu'ils sont les premiers diplômés de notre État. C'est pour ça qu'ils ont les privilèges. Mais regarde bien, il y a des gens de ta génération qui sont aussi là. Oh non, s'il est comme ceci, parce qu'il a eu le privilège d'avoir un poste. Et qu'on ôte ce poste-là, on va voir ce qu'il va être. C'est pas vrai. Si on ôte ça, ça sera encore plus grand. Et lui, il comprendra. Hein, c'est le temps de mouver. Alléluia! Parce que si ces plateformes ici, on a ôté, nous allons plus haut, plus rapide, de succès, de gloire et l'homme en gloire. C'est ce que Dieu a promis. Amen. Aussi, je me marie. Comment je vais nourrir ma femme? Mais maintenant, qui te nourrit toi? Marie-toi. Celui qui te nourrit, nourrira. Il va encore te donner plus. Parce que vous êtes déjà à deux. Hier, c'était un petit rasson. Aujourd'hui, il va doubler. Peut-être tripler. Parce que tu recevras les gens. Mon Dieu fait comme ça. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Ce n'était pas Dieu qui a ôté la position de Job. C'était Satan qui est venu mettre le Job sur le sol. Mais comme Job était passionné de Dieu, il a dit, si je connaissais ta demeure, j'irais moi-même. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a dit ça, Dieu savait qu'il a éliminé la peur. Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Le diable n'est plus parti rendre compte. Hein. Que non, Seigneur, bon,
Même n'a pas passé à même dans la difficulté de ça. Il est parti. Okay. Lorsqu'il est parti, Dieu est venu remettre à Job ce qu'il avait perdu au double. Frère, mais ton épreuve dure plus de 7 ans. Ndeko. Parce que ça fait plus de 100 ans que tu as cru. Et tu tournes seulement là. Toi, tu es l'ennemi de Dieu. Même les Juifs qui l'ont crucifié sont bénis. Mais combien de toi, son propre fils? Il dit, vous qui êtes mauvais. Vous connaissez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien de fois moi, le Père Céleste. Amen. 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 Et pourquoi ta situation dure? Tu dis non, moi c'est 25 ans. Mon épreuve, c'est 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ton attention est quelque part d'autre. Dieu n'est pas contre toi. On commence maintenant à faire le contraire. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Testez aussi mes doctrines. Et si mes doctrines sont fausses. Et ce qui m'a ça c'est-à-dire ma Amen. 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 C'est la raison pour laquelle vous êtes attiré. Yo bendami. Vers quelqu'un qui te dira le futur. Ou le passé. Merci Seigneur. Merci Kolo. Il fait l'impève. Frère David, je suis en train de voir. Fais très attention. Mais vous saviez que c'est ça que vous aimez. Dites Amen. Dites Amen. Ce que je vois ici, il y a un blocage. Vous voyez des mots comme ça, blocage. Blocage. Bon alors, débloque-moi, débloque. Amen. Amen. Et depuis qu'ils sont allés dans les assemblées de blocage, ils sont toujours bloqués. C'est la peur. Boma. Oh, heureusement que tu es venu. Ils veulent lier à eux par la peur. Heureusement que tu es venu, donc c'est lui qui débloque. Non, c'est pas lui qui débloque. Le Seigneur Jésus-Christ a débloqué. En versant son sang à Golgotha. Il y a cela 2000 ans. Alléluia. Amen. C'est bon. Bon, celui qui te dit que ta vie ne marche pas là, parce que tu es bloqué. Bon, sa vie à lui-même, ça marche. Amen. C'est comme les gens qui vont chez un féticheur. Oh non. Il faut que je fasse les protections. Pour que... Qu'on le protège. Contre qui? Bakangé côté le mélanin. Au contre les mauvais esprits. Ah, mais lui m'a bien sali. Tu es sûr? Yo, aux autres basseurs. Lorsqu'il parle là, il fume. Hein? Donc il est sous le joug d'un mauvais esprit. Yé moko moli m'a bien sali kaye se kangaye. Qui peut dire amen? Amen. Yeah,
mon frère, comment vous ne pouvez pas avoir le discernement? Je crois que hier, ils vous ont eu aujourd'hui. Je non. Alléluia. Zéro. La Bible dit ils vont vers les faibles. Bible le bête bango ba kenake pa ba to la sana bo lembu. Il se moque de toi. Et ta ko tsola ya ko sekayo. Oh, en réalité toi tu es un grondon hein. Na solo yo sana likama monene. Je me rappelle il y a cela des années à Weso. Et na ko cela ba mipu ele kimingi. Moi na kala kala kuna na Weso. Un frère est venu. Nde ko mwa yaki. Il a dit au frère. Alors na mande. Oh, toi tu es un grondon hein. Le pasteur dit, si c'est qu'avec ce don-là, tu as reçu un grand don plus que lui. C'est pour cela qu'il bloque ça. Je sens qu'avec moi, il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire. Il parle là en colère. Hein? Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le grand don est parti où. Mon frère, ça là c'est un blasphème. Après avoir goûté les dons célestes, qui peut dire amen? Amen. Tu es rétrograde. Et regardez leurs motifs. En dehors de ça, ils ont un autre problème. Vous écoutez ça? Amen. Et lorsqu'on vous dit fermez, vous êtes là, après, parce que le pasteur a dit, blaguez avec Dieu, blaguez avec Dieu, amen, 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 amen. Oh non, les photos là, ah bah photo, ça c'est les photos de qui? Oh photo à nain. Oh, c'est notre passé. Ah, oh, c'est le blocage. Ah, lorsque les bénédictions viennent ici, la photo là avale ça. Oh, la photo, photo, c'est de la chimie sur un papier. C'est ma zumi kobo batina le kola mokanda. La photo, c'est pas toi. Photo comme yo. C'est un dessin. Et ça, c'est dessin. Oh non, ma zumi photo nangai. On a pris ma photo. Photo, c'est pas toi. Non, la photo, c'est un papier. Qui peut dire amen? Amen. C'est de l'encre sur un papier. Et tes alliés, c'est ma micro. Oh non, avec ma photo, dit-on. Ça, c'est quelle psychologie? Et tes on a photo, yo kete. Vous avez trouvé ça où dans la Bible? Mais comme tu as peur, et c'est cette peur-là qui ouvre la porte à la dimension-là que le démon vient. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La peur. C'est bon, un signe que tu es vaincu. Et tes élèves, les mokotels, c'est que tu vas longa yo. Il dit Josué. Allez, Joshua. Serviteur de Moïse. Yo, Mosale na Mose. Va. Kenda. Voici, j'ai mis un ange devant toi. Dilate, nati mwanzi di bosona yo. Ça, c'est Moïse qui dit ça. Wana Mose, mwanda ou lobango. Et il va précéder ta venue. De frapper par la peur toutes ces nations. Les gens à Jéricho n'ont pas pu même tenir le couteau pour se battre. Ils étaient déjà terrorisés par la peur. Parce qu'il y a eu tremblement de terre. Les murs sont tombés. Ils étaient sidérés là. On les tuait simplement, on les tuait. C'est pour cela que personne ne mourait. Jusqu'à ce que le monteur de Chinéa a plus fait. Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais nous mourrons. Parce que Dieu les a déjà frappés par la peur. Vous savez pourquoi les églises nous insultent? Pourquoi ils sont contre moi? Ils ont peur de perdre leurs membres. Et moi, je sais que Dieu les a déjà livrés sous mes pieds. Amen. Amen. Vous savez, le contraire, je n'ai pas peur d'eux.
Je vous laisse ici pendant une année. Oh non, il s'agit de allez-y prendre. Mais vous êtes toujours là. Et vous allez ça, oui, amen. Qui peut dire amen? Amen. Dites-le de voyager au moins, de faire au moins. Le bal d'Astana n'a pas été dans l'examen à Mikolo. Au moins 3 mois ailleurs. Astana n'a pas mis ça tout. N'est pas mon souci. Qui mette les bandes? Ah bah, église de Nétia, église de Nétia. Je crois que l'eau va tarir. Dans les frates. Mais frates. C'est ce que je dis ici, ils savent. Un frère Banam a fait 3 ans ailleurs. Il n'y a pas de problème. Qui peut dire amen? Amen. Et dit-il de faire. D'ailleurs, lorsqu'il part simplement dans une convention, le prédicateur qui est resté là, on lui a laissé les espions. La sécurité d'État. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, il a prêché comme ceci. Un tel, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, il a insisté comme ça. Faites très attention. Hein. Hein? Bon, ensuite. Oh, un tel n'est pas venu à l'église. Hein? Vas-y le voir, il est parti où? Oh! Il y a des rapporteurs. Moi, je n'ai pas de rapporteur. J'ai confiance en vous. J'ai confiance à la sémence. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai rassemblé. C'est Dieu qui vous a amené ici. J'ai confiance à ce Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est bon. C'est pour cela que je suis libre. Parce que je sais que vous ne me suivez pas. Mais vous suivez la parole. Et ça, je suis conscient. Et le jour où je laisserai cette parole, je vous aurai jamais. Parce que vous êtes les fils de la parole. Et vous connaissez la voix de votre Père. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Nous ne sommes pas l'âge pentecôtiste. Nous sommes à l'âge de la pierre de fête. Là où les sept tonnerres sont en train de se révéler. Pas les sept tonnerres des théories. Mais les sept tonnerres qui révèlent le troisième poule même. Qui vous enseigne les métiers du Père. Qui peut dire amen. C'est bon. N'ayez pas peur. Amen. Ce que vous craignez, c'est ce qui arrive. C'est que tu as perdu la foi. C'est pour ça que tu vois une dame a peur de confesser sa vie à un frère. Le père qui le refuse. C'est la preuve que ton amour est fou. Pourquoi tu as peur? D'autres Basusu sont en train de se maquiller. Bon, on a dit qu'on ne va pas parler de ce que vous ne devez pas faire. Dites amen. Amen. Vous dites amen. Amen. Mon frère. De Konangai. Vous devez servir Dieu par passion. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à amener les autres. Tu vis avec tes neveux. Avec... Tu ne parles pas de la parole. Ou tu te fâches. Non. Dis-le, papa, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, j'ai des jeunes hommes. Il faut, je vais les amener, vous allez un peu discuter. Tes arguments là donnent à eux. Dieu t'a donné des enfants ici. Dieu t'a donné des filles ici. Dieu a fait ici. Il dit, maman, viens. J'en ai une autre à la maison. Qui peut dire amen? Amen. Vous dites amen. Amen. Peut-être qu'elle n'a pas de modèle.
Elle pense que si je viens à l'église, je n'aurai pas un mari vite. Mieux vaut aller chercher dans le monde. Parce qu'elle est rongée par la peur. Dit, lorsque une fille va au mariage, et elle, vite elle ne devient pas enceinte, alors la peur entrera. Si elle n'a pas la grâce, elle a la peur. Et cette peur, même si elle vous dit qu'elle n'a pas peur, et vous verrez, elle aura l'anticipation. Donc, il faut que j'ai un enfant. Et si une fille commence à parler, oh non, je dois avoir un enfant. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé. Où on lui a mis une sémence. Et cette sémence-là est diabolique. Mais on a dit la peur, là, va l'éloigner de l'enfant. Qui peut dire amen? Amen. C'est la peur. De bon main. La peur. Bon main. Est un démon. Yangonde sali moli mo mabe. C'est pour ça ne regardez pas ce qui est négatif. Et n'a pas encore raté ngambo ya mabe. Regardez plutôt à lui. Et talande na ye. Vois que ta situation est déjà arrangée. Mais si tu es toujours ce tu es toujours avec un peu. Tu vas voir que ta situation va s'empirer. On dit les noms et prénoms présents, ce sont les gens qui sont admis. Alors, toi lequel avait commencé à faire vous. Même si ton nom était là, ça va être effacé. Tu verras celui qui lit. Oh, mais je n'ai pas compris comment ton nom n'est pas là. Oh non, maintenant mon nom était dans les listes. Oh, comment ça là qui est bien. Donc, les sorciers sont venus enlever. Oh, ils m'ont envoûté, mais l'envoûtement que tu as été envoûté, ça se manifeste chez toi par la peur. Alors, vas-y chercher un prêtre ou un pasteur qui ôtera de toi la peur. Pas celui qui te dira qu'il y a des chats. Il y a un chat là. Il y a le papa Oana. Papa Simanda Oana. Je pense que ça, c'est les bêtises. Amen. Je crois que c'est rentré, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez comment ça se rencontre partout? Même dans la vie naturelle. Quelqu'un commence déjà les affaires. Et il a gagné. Tu vois, sa femme vient. Moi, ah, comme tu commences à gagner de l'argent là, bon, il faut faire ça. Et ça la boye. Faire ça. Ça la boye. Faire ça. Ça la boye. Parce qu'on ne sait jamais. Ah, tu es bité, hein? Ce qu'elle a dit là est bon. Oui, elle veut ça, madame. Mais laisse-la parler. Si elle n'y a le tu pas. Verras l'origine du conseil. Yo, comment est bandeli ya ya encore? Ça, ça, ça. Mais, boye, na boye. Parce que tu ne sais jamais. Yo, oh, bité, hein? Quand on va passer Royaka. Supposons que quand les malheurs vont venir, que tu n'es plus en vie. Et tu allais te souvenir de ça sur le wapi. Non. Ah! Je suis encore là, tu vas déjà après maman. Si la bouche parle là, c'est que ça lui a trop intrigué. Et tu sais mon nom que comment le métal c'est la montée mais c'est ton danaki. Qui peut dire amen? Amen. Je connais quelqu'un. Naebi motei. Parce que sa femme lui dit, il lui dit comme ça. Donc moi, c'est oh non, il dit non. Il y a le thé. Ne t'en fais pas. Parce que ce n'est pas moi qui mourrai le premier. Moi, je m'occuperai de ça. Après que tu partiras. La femme dit, bon, si tu vas te marier. Donc, tu vois déjà, elle fait la jalousie. Des jours. Cela veut dire qu'elle a accepté qu'elle va mourir. Ouais,
Amen. Amen. Je sais, un jour, j'ai parlé à quelqu'un sur, ça fait des années, sur MOE. Je dis, non, voilà, tu peux faire ceci, ça va t'aider. Il dit, oh, vos trucs là, ça ne marche jamais. Je dis, non, bon, tu peux commencer. Regarde les preuves. Je dis, oh, c'est pas fait pour moi. Et sa femme dit, non, mais essaie, écoutez. Il dit, oh, ça, rien. Bon, moi, je crois que Dieu me bénira autrement. Tout ce que j'ai dit de positif, il n'a pas fait. J'ai dit, ah mon frère, comme tu ne veux pas, on ne force pas, peut-être que ça n'est pas en toi. Mais parce que nous sommes ici dans la vie, les autres vont travailler, et ensuite, mettre leur famille en l'aise. Bon, si toi tu insistes d'être comme ça, et supposons que, si tu n'es pas... Si tu n'as pas ces richesses et que tu meurs, ta femme va se remarier. Quelqu'un d'autre va les prendre. Il dit, oh, comment? Il dit, mais maintenant là, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas la payer. Tu vois pas que c'est une jolie ça? Oh, moi, je lui donnerai à un autre frère. Il dit, bon, pasteur, je fais ça. Vous vous rendez compte, comment? Comment vous êtes? Pas jalousie. Donc l'énergie qui le fait marcher n'est que le négatif. Tu mets tout le positif, il ne réagit pas. Dès que tu mets le négatif, toutes les choses bien viendront ici. Vous verrez, les gens seront... est sensible à ça. Mais quelqu'un amène une mauvaise chose, si vous verrez quelques-uns réagir et suivre ça. Amen. 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 Le négatif. Et ma B. Nous aimons célébrer la mort. La maladie et le péché. Voyez, si un frère a fait quelque chose de mal, on va témoigner ça partout. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Oh non, voilà, frère Ngombe a fait ceci. On l'a vu. Vous m'excusez, hein? En train d'embrasser une femme. On l'a vu. S'il y a une nouvelle comme ça, ça quittera même frère Ngombe, ça tombera sur moi. Non, mais Ngombe là, c'est son pasteur. Mais frère Ngombe, ah, il ne l'aimait pas, il n'aimait pas maman Sido. Frère Ngombe a acheté à maman Sido une voiture. Nous attendons que vous allez aussi parler partout. Il aime sa femme, il a acheté une voiture. Bon, si vous ne connaissez pas, je vous le dis. Amen. Amen. Et c'est un enseignant, hein? Yes, na collège. C'est un prof d'anglais. Le côté anglais. Et vous enseignez au lycée, n'est-ce pas? Au collège. C'est un prof du collège. Et tu m'as collège. Donc beaucoup ici gagnent mieux que lui. Et tu m'as basana les foutre aux oies malam kolekaye. Il n'a pas volé. Et tu as habité. Dieu l'a béni. Ça va pas molier. Amen. Amen. Parce que si je dis frère David, ça dans le but de David, il dit, oh mais il est directeur. Non, c'est pas directeur, c'est le cœur d'abord. Vous allez que directeur, tu es de mon thème à nous. Amen. Amen. J'aimerais aussi que vous allez critiquer ça. Les gens disent, ah, frère Ngombe, vraiment. Vraiment, Dieu l'a béni. Ah, ça ne va pas mourir.
Un enseignant du collège. Était molakisi na collège. Lui-même a sa voiture, un 4x4. Yemogana motugane 4x4. Et ça n'a fait pas longtemps, il a acheté pour son épouse. Kalamingi ta sombo ya mwasi na ye. Il faut d'abord que ça, ça visite ton cœur. Même les machines à laver, tu n'achètes pas à ta femme, ça sera la voiture. Aussi, tu es là. La Bible a des tâches. La Bible. Même en hiver, elle doit mettre les mains dans l'eau froide. Et tu as ma bonne carte dans ma ya maline. Où elle est obligée de bouillir de l'eau. To ala ma moto ya moto. Toi il me va. C'est encore trop chaud. Et nané na moto. C'est l'hiver. Pointe na ta maline ma casse wana. Les autres ont déjà fabriqué la machine. Bah sous ma sala sala machine. Peut-être ici c'est cher. Toi mon soir mais ailleurs là-bas c'est pas cher. Et tu pas mon sou couler na ta le mingi. Mais tu vois des frères. Sa femme toujours. Moi c'est n'est. Alors qu'il y a la machine pour faire ça. Et ça. Cette machine, ça n'est pas laissé à la bouille. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, oui. Ce que vous avez mis sur le sol. Prie Dieu, Dieu te donnera. Et le mal aussi, vous ne voulez pas demander. Et ma bébé, oh Seigneur, donne-moi les moyens. Moyen veut dire quoi? Et encore le présent à ma moyen. Moyen, il est où le banin? C'est toi le moyen, viens, toi tu ne sais pas que c'est le moyen. Et toi, mon souvenir, ma moyen, il y a eu ma tête, c'est l'ango. Dis Seigneur, cette année, tu commences ici, j'aimerais que tu puisses me donner 600 millions. Et tes millions, comme mon toba. Parce qu'avec ça, pour ton ango. Tu vois, vous donnez bravo là parce que c'est trop fort. Comme si Dieu ne peut pas faire ça, il n'y a que le diable. Oh mon Dieu n'est pas incapable. Amen. Amen. C'est pour cela. Nous sommes redevables qu'à lui. C'est juste. Je crois que vous l'aimez. Amen. Parce qu'après l'épreuve, ôté nasima mo mekano. Ce qui arrive, c'est le bonheur. Oui, ko yande ko sala bolamu. Mais toi, ton épreuve depuis le soir, hein? Yo mo mekano na yo. Non, on doit bien arranger ça. Et impenda ba bong sango malamu. Nous croyons que ceci, non de mettre maloba yo. Chassera ces mauvaises atmosphères. Et ko bengisa lolenga ko sala na bewa. Que vous sortez de Babylone. Et payo bimé na Babylone. Et Babylone, c'est la confusion. Babylone de Moboulou. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Regarde, ce mariage ici. Et te vota la libaloyo. Acclamez pour eux. Bon, pasteur, maman. Ça, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle, c'est dit. Parce qu'il y a des gens ici. Et ça n'a pas toi. Qui gagne même plus que le frère Abel. Mais ils sont incapables de faire ceci. Ça là, c'est la foi. Et la foi que je prêche là, ça y est là. Le monsieur et la dame là, c'est la foi. Amen. Amen. C'est bon. C'est la foi, ça y est là. Vous voyez pas que le monsieur est... Moi, je ne savais pas qu'il était très beau comme ça. Amen. Amen. C'est la foi. Tu vois, avec sa jolie dame. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et ça, ce n'est qu'un commencement. Observez bien. Là où ils vont aller. Dieu n'a encore pas dit le dernier mot. S'il bénit ici, c'est qu'il bénira là. C'est la croissance. Lui, le grain. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu fait acception des personnes?
La preuve de son amour, c'est qu'il t'a attiré. Parce que son amour est dans l'élection. Il t'a élu. Et t'a poni. Ton papa ne vient pas, ta maman ne vient pas. Tes cousins ne viennent pas. Mais Dieu t'a élu. Et il t'a attiré. Et c'est suffisant, mon frère. Et c'est quoi de même si tout le monde est contre moi, le fait de savoir que Dieu est pour moi. Parce que personne n'a cherché Dieu. Le Dieu du message vous a attiré. Même si tu n'as pas mangé, réjouis-toi que Dieu te connaît. Et t'es par ton nom personnel. Amen. Amen. Ne voyez pas le négatif. Voyez le positif. Et vous créerez une bonne atmosphère. Parlez juste. Voyez vous-même béni. Voyez les autres bénis. Lorsque le diable veut montrer que tu es négatif, ça c'est un béni de Dieu. Le diable vient, ça fait tard. Et ton mari n'est pas ailleurs. Tu as rien de moi, Satan. C'est un fils de Dieu. Et ce n'est pas par lui-même qu'il vit. C'est mon Dieu là. Le garde. Zéro. Dieu connaît que mon cœur ne supportera pas ça. Et il ne me blessera pas. Rien de moi, Satan. Tout ce que tu peux faire, rien. Voilà une fille de Dieu. Pas celui qui est là. Les parfums là. Oh là là. Oh non, je suis jaloux. Quel est jaloux? Ça c'est la sorcellerie. Tu es en train d'enfouter. Parce que ce que tu as peur, c'est ce que le monsieur vivra. Mais c'est toi qui es l'assassin. Mais si tu fais confiance en Dieu, Seigneur, je ne parlerai plus. Je remets entre tes mains. Parce que je sais que lui ne saura pas vivre. Mais toi, si tu t'es saisi de lui, toi, tu t'es saisi du pasteur Lys. Toi, tu t'es saisi de frère Ngombe. Toi, tu t'es saisi de frère Branham. Toi, tu t'es saisi de celui-ci. Ce n'est pas eux. C'est toi en eux. Saisis-toi de mon mari. Saisis-toi de mes enfants. Saisis-toi de ma femme. Alléluia. Amen. Amen, il est dans le lieu céleste. Dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu. Si réellement tu es arrivé à sa présence, tout là-bas est parfait. Amen ta femme. Amen ton mari. Amen tes enfants. Amen tes neveux. Dans le lieu céleste. Dans un endroit où tu es devant le trône. Et regarde là, tu le verras parfait. En train de servir Dieu. En train de faire ceci. Tu vois, reste là. Lorsque tu descends ici, tu vois que Sarah est vieille. Tu ne vois pas ça. Tu superposes par le Sarah qui est dans le ciel. Et Abraham ne regardait que c'est Sarah là. Au lieu de voir c'est Sarah ici. Ne regarde pas les choses présentes. Ça deviendra encore pire. Ça c'est le diable qui combat. Ne regarde pas à ça. Regarde à ce qui n'est pas comme si c'était. Je dis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et tout aussi est allé bien. Amen. C'est bon. Mon frère, on crie ici tous les jours. On va prêcher jusqu'à quand? Des gens quittent le Cameroun. Ils viennent ici pour témoigner.
Il quitte Malabo. Bahouta Malabo. D'autres, les États-Unis. Bahouta quoi l'Amérique. La Chine. La Chine. L'Inde. L'Inde. L'Europe. Poto. Ils ont écouté un ou deux prédications. Ça a changé sa vie. Et pour moi, mon mais toi, tu es ici tous les jours. Et c'est Dieu contre toi. Non, tu ne le pratiques pas. On dit ça again and again. Mais le fait, tu l'as fait. Yo salate. Allô. Les gens qui ne m'ont jamais vu. Ils me voient que dans l'internet. Ils ne m'ont jamais vu. Ils appellent du Canada. Pasteur. Pasteur. Et voilà, j'ai vu ceci. C'est qui? Voilà, c'était ça. Et voilà l'histoire. Et j'étais condamné par ceci. Mais lorsque j'ai écouté, j'ai dit, ah, je vais essayer. Oh mon Dieu, je vais essayer. Elle a écouté au hasard. Et elle a appliqué. Qui peut dire amen? Amen. Si je devais être quelqu'un qui doit recevoir de l'argent de partout, je devais en avoir plein. Il dit, pasteur, tu peux me donner un compte dans lequel je dois te transférer l'argent. J'ai dit non, regarde. Il faut d'abord que tu puisses. Amen. Amen. Mais toi, tu viens toujours ici. C'est qu'il y a une atmosphère que tu as créée. Change ça. Ou voyage, va ailleurs. Avant, vas-y même en vacances. Là où tu changes tout. Change peut-être mais la position du lit. Ou, mais les badigeons, je ne sais pas quoi que vous devez faire. Amen. 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 Les enfants tous les jours, l'obinzala. Aujourd'hui encore. Après, demain. Oh non, demain. Aujourd'hui on a mangé. Après, demain. Mais tu ne peux pas s'asseoir comme père de famille. Dis que ça, je dois arrêter ça. Seigneur, Colo. Toi et moi. Ça là, ça ne doit pas continuer. Toujours, hein, ça, à la fin du mois. Frère. Okay. Je suis short là de 400 rennes. Bon, short donc cela veut dire que ça me manque pour que je paye le loyer. Bon, tout chaque mois. Ce qui fait que lorsque c'est la fin du mois, je ne sais où je fais mes téléphones. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, je suis short. Et ça me manque ceci. Et donc tu vas, ah mon bien-aimé pasteur. Ah mon bien-aimé pasteur. Dis oui. Nini. Ah, tu sais que je t'aime beaucoup. Je dis non, moi je suis short pour compléter l'argent de la maison. pasteur. Tu savais déjà que je vais te demander ça. Je dis, bien sûr. Est-ce que tu ne m'as pas demandé si ma santé va bien? L'église est pleine de mendiants. D'autres, auprès des mondains. Et pas à Batonama. Oh, c'est mon oncle, mais c'est un mondain. Mais toi, tu es fils de Dieu. Yo, mon ensemble. C'est toi qui Dieu a choisi pour s'occuper de cette famille. Yo, mon ton, pas un pour s'en occuper de toi. Toi, tu es le centre. Tu es la source. Yo, Jésus a dit la source d'eau vive sortira de vous. Et il ne dit pas, mais bon, moi, c'est toi qui es le chef. Yo, mon ton, ça m'a conduit. Même si tu es dame, c'est toi. Attends, prends ta position. Et tellement quoi, tu souffres là parce que tu n'acceptes pas ta position. Et là, dis, Seigneur, bon, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Bon, moi, je vais m'en occuper. Tu vas voir comment. Ça va se déclencher. Amen. 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 Tu n'es pas un démon. Et regarde depuis quand tu as cru ce message. Et combien des épreuves sont venues. Et mais tu n'as jamais abandonné. Malgré les problèmes, tu es toujours là. Non, il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Qui te garde ici. Et c'est quelque chose. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Amen. Amen. Ne crois pas ce que le diable te dit. Ne regarde pas ça. Te
Vous n'êtes pas des démons. Vous êtes les fils et filles de Dieu. Vous pouvez dire amen. Amen. Nombreux ont abandonné. Et que Ming Basmatika. Pourquoi tu n'as pas abandonné? Tu es plus que. Yo le kibango. Personne ne t'a surveillé. Personne ne t'a mis les minutes. De venir sous la chaleur ici. Et même pas moi. Il y a des beaux lieux que vous pouvez aller un dimanche. Mais si vous êtes ici, il y a quelque chose qui t'a forcé. Cette chose, c'est ton cœur. Et ce cœur-là ne peut aimer que la chose de la même nature. Tu es fils de Dieu. Amen. Amen. Malgré tes défauts, malgré ton manque de foi, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Dieu est ton papa. Amen. Amen. Tu peux te rendre compte si on vient me révéler que mon père c'est le président. Et président. Je dis quoi? Nini? Et c'est lui qui connaît ça? Yeah, oui, il connaît. Il connaît. Tu as des preuves qu'il connaît. Il dit voilà ça, ça, tala, ça, tala, 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 c'est tala. Lui qui laissez les signes ici. Et si je rentrerai ici comme je suis rentré? Non. Et si je sortirai ici comme je suis rentré? Non. Mon frère, je serai sur le choc. Et c'est fini? Et fini. Il dit non. Balte. Tu y es. Yo. Vous dites amen. Amen. Fils de Dieu. Yo mwana nzambe. Pas de Barack Obama. Da Barack Obama te. Ou de Poutine. Te mwana Poutine te. Ou de Hollande. Te mwana Hollande. Ou de la reine de l'Angleterre. Oh ya mwana ya mokonzi Angleterre te. Pas fils de président Sassou. Yo mwana président Sassou te. Mais tu es fils de Dieu. Yo mwana nzambe. Donc le père de tous les pères. Et tata batata nyonse amen. Il dit toi tu es son fils. Allez, yo, mon anaï. C'est ce que je te dis maintenant. Mais tu sors d'ici, tu n'es pas sous le choc. Yo, kobima, on peut dire ça, la sengote. Le créateur des cieux de la terre. Moi qui l'ai tout le passé. Et tu dis bref, il me connaît. Yo, kobima, soli ya yebingai. Et que je suis son enfant. Et bien sûr. Bien sûr. Donc lorsque je dors à la famille, là, lui, il voit. Il dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, tu dors à la famille par toi-même. Maintenant que vous saviez que vous êtes fils de Dieu. Ça, on prend ça comme base. Et maintenant, on va vous dire ce que votre père pense de vous. Et au lieu de dire, oh Seigneur, tu n'as pas à pleurer. Pour que lui l'écoute. Lui, il sait. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-nous. Ma soeur, tu es fils de Dieu. Fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Le sang spirituel qui coule dans ton âme. Et makila molimo ekotso la katine limo na yo. Vient de Dieu. Tu n'es pas comme les autres dans la famille. Tu es différent. Tu es différent. Même si c'est ta première fois de venir. Je t'apprends que tu es de Dieu. Tu n'es pas un humain. Et yo zali motote. Tu es de l'autre race dans la chair. Et yo zali de pza mwana nzambe kati na bosuni.
Ton père et ta mère n'ont donné au monde que la chair. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un qui vient d'une autre origine. Et c'est quelqu'un là, c'est toi. Tu es mystérieux. Et Dieu sait que la terre, son infini, pour notre planète, et il a envoyé le septième ange afin de donner la foi de l'enlèvement à ceux qui sont fils et filles de Dieu. Et le septième ange a parlé depuis l'Amérique. Dieu a gardé l'humanité jusqu'à ce qu'il savait que tu naîtras. Et il t'a attiré à ce message. Ce n'est pas toi-même. C'est lui qui t'a attiré afin de prendre les instructions. Et il commence ce soir. Il te dit que tu n'es pas un homme. Tu es un Dieu dans la chair. Tu étais simplement endormi. La partie Dieu n'était pas encore réveillée. Et maintenant, par ces enseignements, nous allons vous faire associer au monde spirituel. Tu vas t'associer avec des anges. Prendre ta position de fils de Dieu. Lui, il voit tout. Et tout ce que tu auras besoin. Et tout ce que tu as eu besoin. Il a mis ça en toi. Et comme sémences. Et il t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Afin que cela puisse se réveiller. Venant au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Ne fais pas attention à celui qui est à côté de toi. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais regarder que le bien. J'aimerais entendre que le bien. Et j'aimerais prononcer que le bien. Et j'aimerais prononcer que le bien. Oh.
Alors que sa présence est ici. Alors que ton papa est ici. Seigneur Dieu, ils sont à toi. Ils sont à toi, Père. Le semeur ne sait que semer. Mais il est écrit, c'est Dieu qui fait croître. Accompagne les pères. Que le Saint-Esprit continue à les enseigner. Nous croyons qu'ils ne sont pas les auditeurs oubliés. Mais Seigneur, tu continueras avec eux. Tu vas faire croître cette semence. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Parce que tu ne parles pas en vain. C'est que tu as une cible. Seigneur, tu es prêt à faire quelque chose. Laisse que cela puisse les préparer. Nous croyons que tu les as déjà préparés. Nous croyons que les malades sont guéris. Et que les affligés sont consolés. Et que la joie est installée dans le cœur. Et la passion de tes services, Seigneur. Le zèle a été rétabli. Voyons, c'est la paix. Bénis les dîmes et les offrandes. Accompagne tes enfants. Donne-nous encore un temps comme celle-ci. Dans lequel nous allons apprendre de toi. Et tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons notre frère. Grâce.